Shalom, bien-aimés, bonjour, bonsoir, où que vous me suivez en ce moment. C'est pour moi une grande joie de parler avec vous en ce jour pour vous faire participer à l'œuvre du salut. Dieu a sauvé l'homme, il a introduit l'homme parce que c'est l'homme qui avait péché. Dieu a voulu associer l'homme à son plan amour, à son plan du salut. J'ai une bonne nouvelle à vous associer à ce plan amour. Vous avez vu depuis le temps de confinement, pour ceux qui nous ont découvert cette onction, cette grâce, ces ministères pendant le confinement, combien Dieu a fait grâce à cette grande communauté dont le monde afflue des quatre coins de la terre qui vient prier, partager la communion avec nous pour être impacté par l'onction de Dieu. Et nous avons commencé la construction de ce temple il y a aujourd'hui près de 6 ans, 8 ans. Et humainement parlant, j'ai dit à mes architectes, construisons un temple de 9000 places. Puis nous avons été pris de court par l'onction. Les gens continuent à venir. Et nous avons changé de programme. Je leur ai dit, projetez un peu un temple de 20000 places. Ils sont allés, ils ont refait encore la maquette. Nous avons essayé de commencer et le Seigneur ne faisait qu'envoyer des gens. Comme vous le voyez souvent dans les images, ce n'est pas des images truquées. Et nous avons débordé. Je leur ai demandé de revenir pour la troisième fois. À l'heure où je vous parle, ce plan du temple a 45000 places assises à l'intérieur. Les défis est tellement immense. Nous nous sommes lancés un grand défi de construire pour Dieu un temple qui va de pair avec la grandeur de cette onction, la grandeur de cette immense grâce qui est frais, qui est donne, qui pousse les gens à spéculer sans un crédit à la banque. Nous avons commencé avec les cotisations locales. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, près de 70% des travaux a déjà été exécuté. Nous en sommes conscients que dans l'église, particulièrement dans l'espace latin francophone, c'est quelque chose d'assez particulier la première fois. C'est pas l'impression, c'est une réalité que les gens qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Il faut corriger cette injustice-là. Qui peut le faire? C'est vous, c'est moi que Dieu a sauvé. Dieu ne peut trouver d'autre personne que parmi ses rachetés, parmi ceux qu'il a sauvés. C'est pour cela que j'ai lancé un appel solennel à tous les hommes de bonne volonté, à tous les hommes de bonne foi, toutes les femmes et les hommes éparpillés partout dans le monde. Vous qui me suivez en ce moment, je veux nous associer à la participation et à la contribution pour réaliser ces 30% d'ouvrage qui nous reste à faire. C'est-à-dire, nous sommes en train de bâtir une tour administrative de 8 niveaux avec les studios d'enregistrement, avec les guest houses, l'équivalent d'un hôtel de 7 étoiles, avec les plateaux télé, des salles d'intercession, des écoles de dimanche pour les enfants, des restaurations, des galeries, l'un des collèges publics universitaires francophones qui va travailler avec des grandes universités bibliques du monde. Il y en a 3 au total qui vont s'associer à nous pour que ce travail ici, le besoin que l'onction a suscité dans les cœurs des multitudes de serviteurs et de servantes dans le monde qui veulent venir apprendre, étudier et se laisser impacter par l'onction et par la grâce de Dieu. Ça, c'est la maquette du temple qui est en train de construire. Imaginez si aujourd'hui on n'avait rien fait et que je viens devant vous, je vous dis, bien-aimés, donnez de l'argent, nous voulons construire un temple. Certains nous auraient prêté les intentions de vouloir escroquer les gens, vous savez comment ça se passe. Et aujourd'hui, tu as voulu enlever ces arguments-là, il y en aura toujours, mais il y en aura moins. Parce que vous voyez un peu le travail qui est fait immensement, et il ne nous reste que 30%. Et c'est pour cela que je vous lance un appel. Où que tu me suis dans le monde, si tu crois qu'il y a un Dieu dans les cieux qui bénit les hommes et les femmes, tu peux contribuer. Nous sommes dans la fourchette entre 1000 $ et 10 $.
donc de 1000 à 10 dollars. Ou que tu me suives, que ce soit en CFA, tu peux le convertir en dollars partout dans le monde. Donc nous commençons cette campagne jusqu'au mois de juillet pour mobiliser sensiblement le fonds pour qu'on achève ensemble ce travail, qu'on achève enfin la construction de ce temple. Dieu ne récompense jamais des inachevés. La Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Maintenant, nous sommes dans le dernier virage de l'achèvement de ce travail qu'on a commencé avec beaucoup de peine, mais il y avait une araignée de la foi et de la vision qui voulait qu'on fasse quelque chose de grand pour la gloire de ce grand Dieu qui nous fait autant de bien, qui nous a sauvés. Aucune offrande, aucun don n'est plus grand que le sacrifice de Christ à la croix. Il y a certains parmi vous qui me suivez, vous pouvez avoir plus de 1000 dollars. Tu peux avoir 10 000, tu peux avoir 50 000, tu peux avoir 100 000. Tu peux me dire, homme de Dieu, est-ce que je peux avoir un peu le défi de tout cela? Ça va coûter combien? Moi-même, je vais contribuer à hauteur de 50% de ces 30% des travaux de la construction du temple. Où que tu me suis partout dans le monde, je te lance un appel. C'est la voix de l'Esprit qui parle à ton cœur. Que Dieu parle à ton cœur en ce moment pour te mobiliser à mettre la main dans la poche, à signer un chèque, à envoyer une contribution entre 1000 dollars, 900 dollars, 800 dollars, 600 dollars, 500 dollars, 200 dollars, 100 dollars, ainsi de suite jusqu'à 10 dollars. Nous voulons donner une occasion à tout le monde d'avoir une part à cette grande bénédiction. Et fait ce travail-là, nous allons contribuer presque chaque semaine. Si tu as 500 dollars chaque semaine, c'est le tout dépend de l'engagement que chacun doit prendre devant le Seigneur. Tu te dis peut-être moi toutes les deux semaines, je vais envoyer 500 dollars pour la contribution, pour la construction du temple. Moi, toutes les deux semaines, chaque semaine, j'enverrai 1000 dollars pour la construction de ce temple-là, pour que ce travail se termine. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Je t'attends. Sois béni.